chaud. Hello, 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 bonjour. J'espère que le son, il est bon. Bonjour, bonjour. Bonjour, beauté. Bonjour, Ginelle, Kimia, comment ça va? Bonjour, Sacré. Merci, Sacré. Tu viens à peine d'arriver, tu partages la vidéo. Rien que des bisous, rien que pour toi. Bonjour, Fatim. Comment ça va? Bonjour, Marie-Paul. Hello, 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 hello. Le nombre, ben, on est en train de monter, je vois. Comment ça va, Ginelle? Merci, Ginelle. Tu es gentille. Toujours des compliments pour moi. Que Dieu te bénisse. Bonjour, Joanne, Lelo. Hello, Aïcha. Aïcha, bisous à toi. Aïcha, Silla, l'unique, la merveilleuse. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. En tout cas, que Dieu te bénisse. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. C'est en train de monter. J'attends que ça monte. Bonjour, Lola. Bonjour, Pascaline. Bonjour, Inénette. Bonjour, Ina, Nathalie. Bisous à toi, ma chérie. Comment ça va, les bien-aimés? Comment ça va, les filles du Seigneur, là, les filles de Dieu? Comment vous allez? Duchesse, comment ça va? Ok, commencez déjà à partager. Merci, Kimia. Merci, que Dieu te bénisse. Bonjour, Esther. Elvire, Mac, bisous, bisous. On est déjà à 100, on va commencer. Donc, partagez, partagez. Parce qu'aujourd'hui, d'habitude, j'avais dit que je ferais 30 minutes, mais aujourd'hui, c'est moi, le sujet est chaud. Donc, je risque de parler même pendant 3-4 heures aujourd'hui. Je vais prendre mon temps. Je vais aller au fond du fond du fond. On va régler cette affaire-là, ok? Bonjour Prudence, comment tu vas? Ça va? Que le nom du Seigneur soit béni. Mirabelle, bonjour Gladys, bonjour, bonjour. Taguez vos copines, taguez, partagez en bas. On va commencer. J'attends que ça monte pour qu'on commence. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas d'acheter quelque chose. Prenez votre petit doigt là et puis cliquez juste en bas. Coup, partagez. Allez, on le fait. Poup, partagez. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de. CDD, CDI. Ils n'ont qu'à nous expliquer aujourd'hui cette affaire de fiançailles qui finit pas là. On aimerait comprendre, ok? Donc, bonjour Jiziki, bonjour Kwasi, bonjour Aou. Ça va, Alida? Alors, je vois que c'est en train de monter. On est déjà à 189. Si vous voulez bien inviter les autres, comme ça, dès qu'ils sont là, on peut commencer. Merci Aïcha, et c'est grâce à toi, tu vois, tu te rappelles, non, le secret, hein? Que Dieu vous bénisse, Annie, merci Marie. Alors aujourd'hui, je vais commencer, on est déjà à 200, je sais que les autres vont se pointer un peu après. Bonjour, bonjour Leslie, Leslie, comment ça va ma chérie? Alors merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma page YouTube, que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse grâce, qu'il visite vos vies vraiment d'une manière extraordinaire. Je suis en train de préparer le cours sur l'art de t'aimer que j'avais promis au couple et c'est tellement lourd, je prends vraiment mon temps parce que c'est vraiment pour les couples. J'avais dit interdit au moins de 23 ans. Donc, je le prépare, il va sortir bientôt, mais ce qui me bloque en ce moment, c'est mon livre. Je suis sur le point de le mettre au monde. Merci Nadège, Nadia, Cassandra, j'ai dit. Donc, mon livre va bientôt sortir. Donc, je travaille beaucoup, je prie aussi, et c'est ce qui fait que ça retarde un peu les autres choses. Dans notre vie, il faut toujours courir vers l'excellence. C'est ça à quoi le Seigneur m'a appelé. Merci Apollonie. Donc, nous avons trois cours disponibles, celui sur la formation au mariage, les 12 secrets de l'épanouissement et Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Et dès aujourd'hui, on a commencé, à toutes celles qui avaient acheté un de mes cours, on a commencé le groupe WhatsApp, le groupe privé. Et je vois, on fait pas mal de choses, je crois en Dieu. Je sais que toute cette semaine, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Bonjour Caro, bonjour Black Carmen, bonjour Georgia. Donc voilà, donc le cadeau que j'avais promis pour toutes celles qui avaient acheté un de mes cours, eh ben, est en train à commencer aujourd'hui. Ça fait une semaine de coaching gratuit pour toutes ces personnes-là. Alors le programme LEI, il commence le 3 février. Je vois que beaucoup de gens ont plein de questions, beaucoup de gens s'inscrivent. Je vous encourage à investir en vous parce que Dieu, lui, m'a enseigné qu'il faut poursuivre l'excellence, comme je le dis toujours, pour ma vie. Et c'est ça qui rend le Seigneur fier, tu vois. Et on lui rend toujours gloire. Donc, LEI en français, je vous ai dit quoi? C'est liberté. On parlera de l'aspect spirituel. Si tu as des difficultés spirituelles, on va te coacher dans ce sens-là. Nous aurons des intervenants. Je parlais ce matin avec le pasteur Karine Empat, une femme extraordinaire. Elle vous donnera son témoignage de comment est-ce qu'elle a pu concevoir sans trompe. C'est une de mes filles. Elle vous racontera la puissance de Dieu. Comment on fait? Oui, je vais accoucher d'un livre, Pascaline. Comment elle a fait
fait pour recevoir ce miracle-là. Les médecins avaient dit impossible que tu aies un enfant. Les deux trompes, il y a une qu'on avait déjà enlevée. On a dit que l'autre est abîmée, impossible. Mais Dieu lui a donné. Et elle, elle est vraiment une spécialiste dans tout ce qui est affaire de délivrance, d'envoûtement, de sorcellerie. Tout ce qui ne va pas, en tout cas, vous découvrirez le pasteur Karine Empat avec son mari. Bonjour Anne, ça va chérie? Bonjour Fatou, bonjour Misri. Partagez s'il vous plaît cette vidéo-là pour encourager les autres à venir qui sachent qu'on est déjà connectés. Donc ils seront là, il y aura l'apôtre Ludovic Mabiala. Oui bien sûr, l'apôtre Ludovic, il sera là aussi, il va nous parler de leadership, il va nous parler, il y aura vraiment des modules très très intéressants. Les horaires, c'est comme une page Facebook. Donc si vous êtes inscrit et que vous n'êtes pas disponible au moment où on passe en live ou quoi que ce soit, quand vous revenez, quand vous vous connectez, vous verrez, tous les fichiers seront là, seront présents. Donc, vous pourrez à tout moment bénéficier de cela. On a dit 3 mois d'avance pour l'Afrique pour vous éviter de payer des frais. Pour vous éviter de payer des frais. Et pour l'Europe, donc 30 euros par mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en inbox. Les assistantes sont là, elles vont vous répondre. J'aimerais faire un très, très gros coucou à Leslie Keta. C'est ma directrice de communication. Elle est extraordinaire. Je l'aime, Leslie. Et un autre gros coucou à Aïcha Silla, qui est formidable. Elle est toujours là depuis le début. Elle me soutient. C'est elle qui travaille avec moi pour le groupe WhatsApp et qui m'aide dans beaucoup, beaucoup de choses. Bonjour, Carole. Ça va, ma chérie? J'espère que tu vas bien. Je voudrais bien aussi les deux secrétaires qui travaillent dans l'ombre, qui se font chaque fois incendier par vos messages et pourtant ils ne font que m'aider. Bénédiction à tous les coachs, mais en particulier à mon coach Darcy, que j'aime énormément, à lui, à son épouse. À tous ceux qui m'envoient leurs vidéos, des autres, merci. Mais j'aimerais vous dire, si vous avez le courage de prendre des vidéos des gens pour me les envoyer, ayez au moins, bonjour Divine, bonne arrivée, ayez au moins la décence d'avoir le courage de prendre mes vidéos et de les envoyer. Vous m'envoyez les vidéos de un tel, ou tel coach, les grands, ceci, cela, là. Ne soyez pas complexes. Et si vous êtes si fière de moi, bonjour Innocente, ça va maman? Mon bébé Innocente, bisous, bisous, bisous. Alors, bonjour maman Innocente, bonjour. Et donc, si vous m'envoyez des vidéos des autres, déjà je ne les reçois pas, ayez le courage d'envoyer les vidéos de votre coach à d'autres. Donc, arrêtez aussi de... Bon, voilà, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas les choses, mais ce n'est pas bien grave. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, c'est moi, ta motivatrice de masse, je dois me présenter. La Wonder Woman pour certaines personnes, My Lady pour d'autres, spécialiste des calendes horaires, femme de Dieu, etc., tout, etc. On me donne tous les noms possibles, mais c'est ce que je suis. Je voudrais juste vous dire que je suis une fille de Dieu. Je suis simplement une de vos sœurs. La louange des hommes, moi, ça ne m'impressionne pas, ça ne m'emmène nulle part, ok? Pour le programme LEI, je vous assure que si vous vous inscrivez au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau leadership, on vous apprendra à être vraiment une femme au-delà d'être épanouie, au-delà d'être une simple femme, une femme extraordinaire. Vous sortirez de là powerful. Il y a des couples qui se sont inscrits. Nous allons prendre le temps pour vous impacter, influencer votre couple positivement de la part de Dieu, afin que vous passiez d'un couple ordinaire à un couple aussi extraordinaire, que vous vivez vraiment le bonheur que le Seigneur a prévu pour vous. Les étudiants, les élèves, etc., venez apprendre des stratégies pour devenir les meilleurs, sortir la tête et non la queue dans tout ce que vous faites. Alors, je vous bénis vraiment et... je reçois des messages vraiment extraordinaires. Ça fait 27 ans que je me suis convertie, 27 ans que je travaille avec le Seigneur. Je suis pasteur aussi, pour les gens qui ne savent pas. Mais je suis femme de pasteur et j'ai tout déposé pour venir servir le Seigneur aussi sur Facebook. Et je peux vous assurer qu'en 27 ans, j'ai vu des sidatiques de mes deux yeux guérir. J'ai vu des femmes vomir d'un cancer pendant qu'on priait. J'ai vu des personnes se relever du coma. J'ai vu de mes yeux des femmes stériles concevoir quand je priais pour elles. J'ai prêché à des milliers de personnes qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Et les témoignages que je suis en train de recevoir maintenant sur Facebook, je ne les ai jamais vus. Je peux vous dire, il y a des choses que je ne peux pas publier parce que c'est trop fort. Il y a des gens qui sont guéris des problèmes psychiatriques. Il y a d'autres qui étaient sous antidépresseurs pendant des années, en pleine dépression. Les psychologues et les psychiatres avaient dit, vous êtes condamnés, rien à faire. Mais elles ont pris des coachings, elles ont pris du temps. Et nous avons cassé tout cet esclavagisme. Et aujourd'hui, ces femmes sont complètement délivrées. Donc, je dis gloire à Dieu. Et je dis ceci, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Personne ne prend la gloire de Dieu. Je suis choquée de plus en plus. Et j'ai la crainte de Dieu quand je vois ce qu'il est en train de faire. Et donc, vous ne me verrez jamais en train de jouer avec le nom de Dieu pour dire oui, faites ceci pour moi, Dieu va vous bénir. Je ne manipulerai jamais qui que ce soit. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et etc. Je vous ai publié tout à l'heure un témoignage d'une dame qui m'a fait pleurer. Elle m'avait écrit au mois de novembre et elle me racontait sa vie. Dieu, elle ne trouvait même pas un euro. Elle était pourchassée par-ci, par-là, à gauche, à droite, par des problèmes spirituels. Et elle s'est retrouvée habiter chez un frère.
Et le frère a abusé d'elle, et après il a fait venir une autre dame. Enfin, elle avait tellement peur, elle a souffert, elle n'avait rien. Elle m'a écrit, elle m'a dit, elle m'a raconté sa vie, elle voulait juste me bénir. Et le Seigneur m'a dit, donne-lui tes cours gratuitement. Je ne lis pas pour vous, j'ai pris les cours, je le lui ai donné. Mais quand elle s'est mise à témoigner, il y a quelques jours, je n'en revenais pas. Elle a dit, ça fait près de depuis 2010. Depuis 2013, qu'elle était au chômage, sans travail, sans maison, sans rien, en train de galérer, malade et tout. Elle est tombée sur mes vidéos, je lui ai envoyé les vidéos, mes cours privés, cadeaux, et elle a pris tout, mais elle est allée sur YouTube. Toutes mes lives, tout, elle a pris le temps, elle a bossé, elle était chrétienne, elle les a bossées carrément. Quand elle est venue me donner son témoin, je vous assure que je faisais des bons. Quelqu'un qui ne travaillait pas, qui ne touchait rien, qui mangeait presque dans les poubelles. En même pas 3 mois, sa mentalité a changé, elle a été complètement impactée. Et aujourd'hui, elle a signé un contrat où elle touche plus de 2000 euros net, extraordinaire. Et c'est pas la seule, il y a des témoignages miraculeux de ce que Dieu est en train de faire. Il y a quelqu'un qui me demande, mais qu'est-ce qu'une femme comme Coach Sonia peut m'apprendre? Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de coachs et tout. Je veux te dire que tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais ne pas faire des exploits. Tu comprends? Quand Elisabeth, la maman de Jean-Baptiste, est tombée enceinte de Jean-Baptiste, on a dit que depuis le sein de sa mère, le Saint-Esprit sera en elle. Mais le jour où Marie, la mère de Jésus, est venue rendre visite à cette femme, à sa cousine, là, dès la porte, la Bible dit que dès qu'elle a entendu la voix de Marie, l'enfant en elle a tressailli, elle fut remplie du Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais ne pas être rempli du Saint-Esprit. Donc, dès que tu entends ma voix, quelque chose se passe en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler tout simplement. Donc, je peux comprendre les injures et tout, moi, ça me fait plaisir. Quand on m'insulte, ça veut dire que je suis vraiment sur la bonne voie. La bonne voie. L'Esprit de Dieu connaît et il te connaît et il appuie fort. Si bien que quand je parle, même quand je te traite de tocard, de ma boule, de tout et tout, quand je te dis de caler en l'air, tu n'arrives pas à partir, tu es obligé de prendre action. Je te mets en face de ta vie. Tu ne peux pas mentir ni devant Dieu, ni devant le diable, n'est-ce pas? Tu es convaincu de péché, de jugement et de Dieu. L'Esprit de Dieu appuie fort et tu sens que Dieu existe quand je te parle. Ça veut dire que Dieu t'a appelé à m'écouter tout simplement. Le 31 décembre, il y a eu des prêtres qui m'ont écrit, il y a eu des pasteurs, il y a eu des coachs du Canada, des femmes d'affaires, même des membres du gouvernement qui m'ont écrit pour me remercier. Ils ont dit, on ne peut pas se connecter en live parce que les gens verront où nous sommes. Mais tu as une réponse. Dieu est en train de t'utiliser puissamment pour notre génération et dans la francophonie. Je peux vous dire, bien aimé, que si je venais faire les choses pour l'argent, ce n'est pas sur Facebook que je viendrais, n'est-ce pas? Mais je le fais pour le Seigneur, d'accord? Mon témoignage personnel, c'est quoi? C'est que je ne parle jamais ici sur Facebook pour vous culpabiliser, pour vous condamner. Non, ma vie n'est pas meilleure. Je vous ai expliqué mes bêtises. Moi, je faisais la pagaille et tout et tout et tout. Je me suis mariée quand je ne cherchais pas le mariage. Je cherchais Dieu, je cherchais ma destinée, je cherchais ma place, je cherchais d'abord à m'épanouir seule. Et c'est là que j'ai rencontré cet homme-là qui aussi se cherchait. J'ai souffert de dépression, des souffrances émotionnelles, des handicaps spirituels. J'ai fait des tentatives de suicide, j'allais d'échec en échec, c'était mes amis. L'échec était mes amis, j'ai souffert, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu m'en sortir. Et mon mandat aujourd'hui, mon travail, c'est quoi? C'est d'accompagner les gens afin qu'ils se portent des bonnes questions, afin qu'ils puissent débloquer, afin de les emmener à débloquer certains aspects et les emmener d'un point A vers le point B. Tu comprends? Je t'emmène en fait à changer de perception. Je t'emmène à changer de façon de voir. Peut-être que tu crois que ce que tu vois là, c'est vrai, mais ce n'est pas la réalité. Je t'emmène à améliorer ta relation, tes business et tout. Je parle relation, mais donc quand je parle de réaction, je touche à tous les aspects. Cette femme-là, elle a pris mes cours. Je ne parle pas de business. Elle a pris les 12 secrets. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, depuis près de combien d'années qu'elle est dans les églises, simplement pour avoir suivi des cours où on parle de relation, sa vie a été impactée. Elle a pu décrocher un poste où elle touche plus de 2000 euros net. C'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Vous comprenez? Les gens disent, non, elle ne parle que de relations et tout, mais je sais ce que je fais. Et l'Esprit de Dieu sait où il va avec toi. L'argent, oui, mais je sais qu'il faut que tu améliores la qualité de vie que tu as avec toi-même pour pouvoir apprécier l'argent que tu vas avoir. Moi, je suis heureuse aujourd'hui parce que je fais du bien aux gens. Et tu peux compter sur moi pour t'emmener à changer de posture. Tu comprends? Il y a une dame qui m'a écrit, m'a dit, « Maman, à chaque fois que je regarde tes vidéos, je suis triste de voir que les femmes se font encore avoir par des tocards. » Écoutez bien, elle dit, « Avant de te connaître, j'avais commencé à couper les liens avec un tocard. La première vidéo de toi que j'ai vue, c'est « Comment détecter les faux gars ?» Est-ce que vous avez regardé cette vidéo-là?
Ce que tu dis dans cette vidéo a confirmé mon attitude envers ce gars et m'a donné de reprendre confiance en moi. Merci, maman Sonia. En plus, il y a une chanteuse non chrétienne qui s'appelle Princess Lover. Elle chante une chanson qui s'appelle « Je les laisserai ». Elle dit qu'il faut laisser les tocards de côté, qu'une vie sans tocard est une chance et qu'on doit avancer. Cette chanson est un hymne anti-tocard. Si tu n'étais pas chrétienne, Côte Sonia, on aurait même pensé que c'est toi qui as écrit la chanson. Elle dit ceci, « J'ai parlé de tes vidéos dans mon église. » J'ai envie de te demander, toi, tu as déjà parlé de mes vidéos à quelqu'un? Et celle, pardon, à mon église, elle dit, et c'est une église que d'Européens, mais ils adhèrent tous à tes propos et disent que c'est génial que le Seigneur t'ait consacré pour cette mission. Quand ma coiffeuse vient me faire mes cheveux, je mets tes vidéos, car chacun a sa façon à lui d'être ambassadeur de Christ. Sois béni, Côte Sonia. Alors, j'ai envie de te dire quelque chose. Ça sert à quoi de pécher? Il y a une dame qui m'a écrit ça. Elle me dit, ça sert à quoi de s'abstenir du péché? Je ne fais pas la loi. J'aimerais que tu comprennes, ni la Bible, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je me pose pas ici en tant que juge de ta vie. Juste que je me sens conduite à te conseiller à cause de mes erreurs et grâce à mon expérience. D'accord? Maintenant, je lui ai dit ceci. Elle me dit, je vais être très brève. Elle m'a écrit insolemment comme ça. Je suis célibataire à la recherche d'un homme, mais je n'en trouve pas parce que je m'abstiens du sexe avant le mariage. Est-ce que ça vaut la peine vraiment, Lady Sonia, de s'abstenir? Je lui ai répondu, ma chérie, tu devrais poser la question à Dieu. Tu sais, quand je vous parle, ma première fille, elle a 24 ans, elle vit aux États-Unis. Hey, Jasby, how are you, brother? Ma fille, elle a 24 ans, elle vit aux États-Unis. Vous n'entendrez presque pas parler d'elle parce que je suis comme elle. Mais quand je vous parle comme si je parlais à ma fille. Simplement parce qu'on a eu beaucoup d'erreurs. On continue. Une autre femme m'a écrit et j'ai pris cette réponse-là pour donner à celle qui m'a dit à quoi ça sert de s'abstenir. Comprenez-moi bien, suivez-moi bien avant que j'entre dans le sujet, d'accord? Elle me dit, bonjour maman, je suis tellement triste, j'ai envie de tout lâcher, suivez bien, j'ai perdu le peu d'estime qui me restait en voulant donner du courage à un homme. Ah maman, mon cœur pleure, écoutez cet homme, je ne l'aimais pas au début et lui il était fou de moi, mais les choses ont changé. Une fois qu'il a couché avec moi plusieurs fois, n'est-ce pas? Il est devenu tellement cru envers moi. Je suis une femme de 28 ans. Et lui, il a dadada. Nous sommes de deux pays différents. Et les problèmes, c'est quoi? C'est qu'il dit que je ne suis pas celle avec qui il va se marier. Et qu'il cherche le coup de foudre, la femme qu'il va marier, après 4 ans de vie commune. Il a même dit qu'il est capable... Quoi? Il dit que je ne suis pas celle avec qui il va se marier. Et le lendemain de mon avortement, il m'a laissée seule. Il me dit qu'il ne veut plus de relations sexuelles avec moi. Vous entendez? Seigneur, et qu'il ne veut plus d'une femme qui n'aime pas Dieu. Ça, c'est le monsieur qui dit. Il est enceinte, il vit avec elle. Maintenant, il vient lui dire en face que non, moi, je ne veux plus de toi parce que tu n'aimes pas Dieu. Pourquoi? Et au lendemain de l'avortement. Avortement, là, ça veut dire quoi? Il y a eu intercourse, d'accord? S'il y a eu intercourse, ça veut dire qu'on était deux, non? On était deux, on était en train d'enjoy. Quand je suis tombée enceinte, tu as baissé ta braguette. Moi aussi, j'ai ouvert les frontières. Na fongoli ba ciseaux, d'accord? Maintenant, je tombe enceinte. Je ne sais pas s'ils se sont entendus pour avorter. Mais elle avorte. Le lendemain, il vient lui dire que je ne peux pas épouser une femme qui n'aime pas Dieu. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est garçon. Ça, c'est les hommes. Maintenant, elle dit quoi? J'ai été là pour lui. Non, elle dit, oui. Avec moi, Seigneur, il ne veut pas d'un enfant d'une femme comme moi qui n'aime pas le Seigneur. Ah! Pourquoi moi, j'ai été là pour lui alors que personne ne pouvait même imaginer que cet homme-là pouvait m'abandonner. Quoi? Je n'ai fait que prier pour l'aimer. C'était ma prière de chaque nuit. Mais voilà que hier, il m'a quitté, soi-disant, pour mon caractère Dieu. Aujourd'hui, je suis devenue la mauvaise. De retour de son voyage de son pays, il me dit que ses parents ne veulent pas d'une femme de mon pays dans leur famille. Vu que ses ex étaient toutes de son pays. Il est allé jusqu'à me dire que ses sœurs veulent l'aider à maigrir pour trouver une meilleure femme. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça au final? Il me remercie de l'avoir redonné l'estime de soi. C'est lui qui sort indemne et moi abattu. Comme jamais. Le pire, c'est que je l'aime encore. Malgré toutes les choses horribles qu'il m'a faites, je ne suis pas parfaite, mais je ne mérite pas ça. D'accord, tu ne mérites pas ça. Tu mérites quoi? Non, non, c'est pas lui, ma chérie Ginelle, c'est pas lui qui est mauvais, c'est elle-même qui est mauvaise. Je lui ai répondu, je dis ça, c'est du n'importe quoi. Tu es en train de me dire que toi, vous vous êtes entendu, non seulement tu te mets avec un gars, 4 ans. Tu es parti habiter chez le gars, 4 ans, on t'a pas épousé, on t'a rien fait, d'accord? Et tu me dis que tu ne mérites pas ça. Qu'est-ce que Dieu avait dit dès le départ? Tu n'as pas cherché Dieu. Maintenant, quand ça chauffe là, tu commences à dire, non, moi, je ne mérite pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu as fait que lui redonner l'estime de soi. C'est ton travail à toi de lui donner l'estime de soi. Oh, comme il coach, Naïe. C'est toi le coach. Hein? Maintenant quoi? Oh non, il a fini de faire ce qu'il a fait. Il peut te sourire, te jeter. Il a raison. Il a raison, vrai ou faux? Hein? J'ai envie de t'expliquer. Maintenant, je vais rentrer dans le sujet. Partager parce que je vais parler. Je prie vraiment que le Saint-Esprit me garde parce que j'ai vraiment de la colère pour ce genre de choses-là. Hein? Est-ce que toi, tu sais le mariage, c'est quoi? Appelez les gars, invitez-les. Le Pax, oh non. Est-ce que c'est une affaire de blanc, de papier, de noir? Que dit Dieu?
Pourquoi est-ce que je parle de ça? Ta vie, je m'en fous, je m'en fiche. J'ai envie de te dire de caler en l'air, ma soeur. Est-ce que le mariage, là, ça change quelque chose à la relation, à quelqu'un qui m'a écrit? Est-ce que le mariage change quelque chose à la relation? Je dis oui, pour l'honneur que toi, tu as. Tu comprends? Pour le matériel, pour protéger les enfants, oui, ça change quelque chose. Oh non, est-ce que c'est simplement porter la bague là? Tu as raison, porter une bague, ça ne change absolument mais rien du tout. Pour quelqu'un qui n'a rien dans la tête, oui, ça ne change rien. Est-ce que moi, je suis une donneuse de leçons? Non. Qui est-ce que je suis? Une simple femme qui a eu assez d'expérience, plus de 20 ans dans le ministère. Je dis, je suis aussi pasteur, j'en ai vu. Je te dis que Dieu a toujours raison. Tu comprends? Il faut chercher à mieux vivre. On avance dans le temps. On est en 2017, au 21e siècle. Tout le monde avance, toi tu n'avances pas. Hein? Tu es là seulement. Si je peux enfoncer un peu de jugeote dans ta tête, alors gloire à Dieu. Le changement d'une génération, ça va commencer par toi. N'est-ce pas? Le mariage, les Blancs ont dit, hein? Les Européens ont dit que c'est une union entre deux personnes. Suivez-moi bien, vu les filles. J'ai dit, je prends mon temps. J'avais dit, je parle que 30 minutes. Je vais prendre mon temps, on va s'entendre aujourd'hui. C'est une union entre deux personnes officialisées par un organisme d'état juridique ou religieux. Le mariage civil est un contrat passé entre les deux mariés, dans les deux parties s'engagent sur un certain nombre de points. Le mariage, c'est avant tout l'union de deux êtres qui s'aiment, d'accord? On s'aime, on se met ensemble, mais c'est aussi un ensemble de droits et de devoirs que se doivent chacun des époux l'un envers l'autre. Il y a des droits et il y a des devoirs, fidélité, secours et assistance. Lors du mariage, là, le maire vous dit, est-ce que vous engagez quoi, quoi, quoi? Et tu dis oui, on vous dit bien, le maire vous dit bien, que vous devrez mutuellement fidélité, secours et assistance. Donc, on signe. Il y a un devoir, le logement, vous devez vivre ensemble. Tout ça, c'est écrit. Le devoir, le logement conjugal des époux disposent ensemble d'un logement conjugal. C'est-à-dire, quand vous êtes marié, là, c'est signé, il ne peut pas aller dehors. Les dépenses de la vie quotidienne, vous devez ensemble, chaque époux a pour obligation légale de contribuer au prorata de ses ressources personnelles, à l'entretien et au ménage du foyer, etc. Le conjoint qui ne répondra pas à cette obligation pourrait faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Pourquoi? Parce qu'on a signé. Parce qu'on a signé, la loi a signé. C'est pour toi que Dieu fait ça, c'est pour toi que Dieu parle. C'est pour toi. Le code civil définit le concubinage, donc la fornication, là, comme étant union de fait, caractérisé par une vie commune, présentant un caractère stabilité, continuité, tout et tout. Le combinage, c'est quoi? C'est donc une situation. Ce n'est pas encadré par la loi. Tu comprends? Ce n'est pas encadré par la loi, contrairement au mariage. Autrement dit, le simple fait de vivre avec un homme ne te donne aucun droit et tu n'as aucun droit de te plaindre d'un homme qui ne t'a pas épousé. C'est ça que la loi dit. Est-ce que tu comprends? Partagez la vidéo. Le simple concubinage là, ne te donne aucun droit sur un homme. Tu ne peux pas l'obliger même à s'occuper des enfants qui arrivent avec toi. Tu ne peux même pas parler. C'est la loi qui le dit. Le code civil dit le concubinage, ce n'est qu'une union de fait. C'est simple, ça caractérise seulement la vie commune. Mais ce n'est pas encadré. La loi ne peut pas prendre d'action. Donc quand Dieu te dit « Kanga makolo », Kanga ciseau, ferme les frontières parce qu'il y a des tocards, des maboules, des maboulistes, des poubelles ambulantes. Tant qu'on ne t'a pas marié, la laisse. Toi, tu es le non, non, non. Je connais plus que Dieu. Tocard. Si je parle, oh, maman a parlé. Tocard. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous ne partagez pas parce que vous-même, vous vous sentez touché. J'ai dit de partir. Si tu es une vraie fille de Dieu, tu veux t'aider toi-même et aider les autres, là, partage cette vidéo. Partage. Je ne gagne rien quand tu partages. Quand tu appuies ton doigt, je ne gagne rien. Quand tu vas faire tes bêtises, est-ce que je gagne quelque chose? J'ai dit de partager simplement. Comme ton cœur est méchant, mauvais, tortueux, là, tu veux seulement écouter gratuitement pour toi, se garder, garder. Dieu n'aime pas ça. Hein? Frère, il y a des hommes, je sais que vous êtes en train de me suivre, on est 1700, je sais que vous êtes là. La Bible dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Pourquoi tu vas dire à un frère, tu sais que tu as de la nourriture dans le frigidaire. Le frère vient, tu lui dis, alléluia, amen, je vais prier pour toi pour que Dieu te donne à manger, alors que tu as dû manger dans le frigidaire. Si tu sais que cette fille-là, hein, c'est la femme que tu aimes, que tu vas épouser, pourquoi tu ne l'épouses pas, tu ne l'honores pas, tu la laisses comme ça là. Aimer, ça veut dire honorer, ça veut dire s'engager, ça veut dire ne pas outrager la vertu d'une fille. Tu es un voleur. Si tu n'es pas content, cale en l'air, c'est moi qui ai parlé. J'ai dit, c'est moi qui ai parlé. Si vous n'êtes pas content, c'est allez, il y a plein de pages, je m'en fous. Quand vous faites vos bêtises, là, je suis là. Quand vous couchez les uns avec les autres, là, vous me donnez du plaisir. Non. Alors je vous parle pour vous, mais celui qui ne veut pas, il s'en va. Si tu n'es pas content, déconnecte-toi, va-t'en, va-t'en. Tout se paye sur cette terre. On moissonne ce que l'on sème. La vie, même les païens vous disent, non, ce que tu fais aux autres, ça va te retourner. Parce qu'il y a des lois dans ce monde. Si je prends un verre, là, d'accord? Il y a une lampale, je ne sais pas si c'est la poussée d'Archimède ou bien les trucs de Newton, j'étais nul en physique, chimie. Si je verse ça là, attendez, je vais vous montrer, il y a de l'eau ici, je vais verser dans le salon là, d'accord? Il y a une loi qui dit que il y a une poussée, quand je verse, ça ne peut pas aller en haut.
D'accord. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu vas faire des bêtises dans ce monde. La loi est la loi. Dieu a établi la loi telle qu'elle est. Et s'il te parle, si Dieu te parle, c'est parce qu'il a raison. Hein? Tout ce que tu fais émotionnellement à une femme ou à un homme, ça va te revenir. Tout ce que tu fais physiquement à un homme ou à une femme, ça va te revenir. Tout se paye. Sortir avec une femme que tu sais consciemment que tu n'aimes pas, au point d'avoir des projets pour finir avec elle, tu sais que c'est mal, ça va te revenir. Dieu va te rendre ça. Le monde là va te rendre ça. Ça tourne, la roue tourne. Est-ce que c'est un péché? Dieu sonde le cœur. Il voit tout. Il sait où tu vas aller avec cette femme-là. Est-ce que tu comprends? Pour Dieu, aux yeux de Dieu, tu es un meurtrier. Tu détruis la vie de cette femme-là. Et Dieu te détruira. Tu déshonores cette femme-là. Tu lui arraches sa vertu. À cause de tes pulsions non réglementées, tocards. Hein? Et vous êtes là. La Bible dit quoi? Ton corps est son temple. Celui qui détruit son temple, Dieu le détruira. Si tu souilles ce corps-là, Dieu va te souiller. Dieu va te livrer. Coucher avec une femme que tu n'as pas l'intention d'épouser, c'est la souiller. Vivre avec une femme que tu n'épouses pas, tu la souilles. Hein? Si tu es avec une femme avec qui tu n'as pas d'alliance, il n'y a pas de contrat, c'est coucher avec la femme de ton prochain parce que quelqu'un d'autre va l'épouser. Donc ça veut dire que tu es en train de voir la nudité de ton prochain. Lisez la Bible, bon sang. Hein? Tu as donc souillé et vu la nudité d'une autre personne parce que tu n'as pas épousé cette femme. Elle va devenir la femme de quelqu'un d'autre. Et c'est ça que vous dites, c'est bon. Vous êtes content. Tu auras une fiancée, la Bible dit tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et c'est d'autres personnes qui habiteront dedans. Tu planteras une vigne, tu n'en jouiras pas. Quand Dieu parle, c'est ça. Après vous dites, non, moi je ne comprends pas. Moi, vous faites le tour des églises. Oh, nous les pasteurs ont imposé les mains sur ta vie, mais tu ne sais pas tout le mal que tu as fait. Dieu te voyait. Dieu entendait. Tu comprends? Il entendait que Dieu peut tout se payer sur terre. Pourquoi tu ouvres tes jambes? Tu sais que Dieu, tout se peut, tu ouvres tes jambes n'importe comment, tu ne connais pas la loi, tu ne connais pas Dieu. Tu es quel genre de personne? Hein? Non, ce message, ça s'applique aux filles vierges de Dieu. Je ne parle pas des filles qui ont tout. Une fois que tu as compris la vérité, que tu sais ta valeur, que tu demandes pardon à Dieu pour toutes tes erreurs parce que Dieu te lave, tu deviens vierge, tu deviens croyante, tu proclames ta foi. Ton corps est purifié, pardonné, lavé. Tu comprends? La Bible dit dans Exode que si un homme séduit une femme vierge et qu'il n'est point fiancé à elle, Exode 22, 16 à 17, qu'il ne s'est point fiancé et qu'il couche avec elle, il payera la dot et la prendra pour femme. Ça, c'est ce que Dieu dit. Si le père refuse de lui accorder la dot, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu es une vierge pour Dieu. C'est pas parce que tu as fait, même si tu étais une prostituée, dès le moment où tu as arrêté ça, tu t'es repenti. Jésus, pardonne-moi, je ne savais pas ceci, cela, c'est tocard là, tout et tout. Lave-moi tout. Jésus te lave, pardon, tu deviens vierge. Maintenant, si un homme couche avec toi, il se doit de t'épouser. Bonjour mon coach Jarcy, bisous à toi, bisous. S'il ne t'épouse pas, cale-le en l'air. Cale-le en l'air, man. Ce message ne s'applique pas aux femmes banditas, les tocards qui méritent d'être calées dans l'acide, comme toi. Hein? Les femmes comme ça, là, ça ne sert pas. Il y a une dame qui m'a écrit, malheureusement, bon, c'est en anglais, je vais le lire un tout petit peu. A man who had the shock of his life right after marrying the woman of his dream. Oui, il y a un homme qui s'est marié. Parce que vous aussi, vous êtes là-haut, les hommes, quels hommes, vous-même, banditas. Je suis, j'ai dit, je prends tout mon temps aujourd'hui, on va parler. Hein. Si vous ne voulez pas partager, c'est quand je finis, je viens, c'est pas, je vais te poser la question, pourquoi tu n'as pas partagé? Parce que tu te retrouves dedans, ça fait mal, mais bien, je ne vais pas arrêter, bien, on continue. Les banditas, un homme s'est marié. Un frère, un fils de Dieu. Hein? Non, il n'y a pas pardon. Coach, non. Vous avez fait assez de bêtises parce que Dieu ne parle pas. Tu crois que Dieu te ressent? Tu crois que Dieu, il a soufflé sur toi, les malédictions s'accrochent sur toi, tu ne travailles pas, tes business s'effondrent et quoi? 3 minutes. Non, je continue aujourd'hui. Aujourd'hui, je leur fais grâce parce que le Seigneur m'a dit, il faut vraiment que je parle de ça. Ça suffit. Calais est dans l'acide, est dans le béton, et partout, on est fatigué. Dieu en a marre des prières qui puent. Si vous voulez pas changer, allez foutre le camp aussi. Qu'est-ce que c'est? Elle est hypocrite. Allez, calons-les. Ils se marient avec la fille. Ils font 3 ans de fiançailles. Oh my father in heaven. 3 ans de fiançailles. Ils se gardent comme un fils de Dieu. Ils ne touchent pas la fille. La fille était là. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. I want praise God. Donc, sister, onction, anointing, plus. Donc, quand tu passes à côté de ça, tu as envie de tomber. Tu sens l'onction la plus sérieuse des sœurs. 3 ans, le gars l'a même pas touché. OK? Il se marie. Bizarrement, il couche avec sa femme le premier jour. Il voit qu'il y a... Hein, quand elle se dénude là, voilà le ventre. Hey, my sister, what's happening? Déjà, la goye est enceinte de 4 mois. 4 mois. Banditas, ton cadre, ma boule, toi, on doit te caler même, je ne sais même pas. C'est béton même, c'est petit.
Scandale. Elle était enceinte de 4 mois. Le frère ne l'a même pas touchée. Il se comportait vraiment comme un frère. Parce qu'il y a des hommes qui craignent Dieu. Il y en a des vrais. Mais souvent, c'est vous les voyelles. Vous aimez les voyous. C'est pour ça que Dieu souffle sur vous. On te séduit, on t'envoûte chez les marabouts. Tu mérites ça. Puisque tes pieds là, quand tu fermes là, quand je dis kanga ciseau, tu trouves que ça chauffe trop, ça chauffe. Il faut une fumée là. Ouvre. Allez, tous les hommes, on y va. On bouffe ton biscuit là comme ça. Biscuit, biscuit, cookies, cookies, cookies. La fin des cookies là, c'est quoi? C'est ça. Hum? 4 mois maintenant, il écrit. Oh, what should I do? Qu'est-ce que je dois faire? La femme, elle a la honte. Il dit, mais je ne t'ai pas touché, ça fait 3 ans. Il a dit, Dieu connaît, toi et moi, on sait devant Dieu. Maintenant, on pose la question à la fille, elle est là. Oh, Limi Sanga, pardonne-moi, c'était des erreurs et tout. Moi, toi et moi, on est chrétiens. Crétin, oui, menteur. Hein? Vous, moi, j'ai pris la soeur avec le Saint-Esprit comme une corde sur la tête. Quand tu la vois toujours. Alléluia. Banditas. Enceinte d'un autre gars. Son gars, 4 ans de fiancé, il ne me touche pas. Hein? Et puis tu es tombé enceinte, comment par la vertu du Saint-Esprit. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Moi, je ne parle pas pour vous. Ça, c'est les femmes là. Il ne faut pas les épouser. Ce genre de femmes là. J'ai dit aux frères là, ne les pousse pas. Tu la mets dehors. Moi, je prie pour l'épanouissement des hommes et des femmes. Il y a des femmes, il y a des femmes qui sont. On ne peut même rien faire. On ne peut pas. C'est quoi? Cale en l'air et calé en l'air. Voilà. Hein? Il y a un homme qui m'a écrit. Il était très fâché quand il a vu que j'ai dit que oui, je vais parler de ça aujourd'hui. Il me dit. Très content de découvrir ta page et tes merveilleux messages. Surtout, merci pour les conseils, car plusieurs fois, je me suis retrouvée dans tes messages. Très bien. Par ailleurs, j'ai une question à te poser. Pourquoi de nos jours, beaucoup de femmes aiment faire les mariages luxueux? Ça, c'est la question que je dois vous poser. Oh non, moi, on ne m'épouse pas. On va te poser pourquoi? Parce que quand un homme vient vers vous, vous êtes en train de dire, moi, je veux l'hélicoptère. Le jour de mon mariage, il faut que ma robe fasse. Il faut que je porte 4 robes. Les talons, quoi? Zoba, stupide, insensé, tocard. Tu n'as rien compris. Donc, on mange tout. On va manger tes robes là après le mariage. Tu sais ce que c'est que le mariage? Quand on vous dit de venir prendre les enseignements, les formations, ça, vous ne voulez pas. Ce que vous voulez là, c'est le bamaboulisme. Les gars qui vous disent, comme Cristiano Ronaldo, il vous dit, il te mange ça, puis basta. Ça, c'est ce qui est bien. Hein? Prends le gars tel qu'il est. Mieux vaut prendre cet argent-là au lieu d'investir dans des jeux. Tu vas faire manger des gens qui vont venir, ils mangent, c'est les mêmes dès que tu auras un problème qui vont se rire de toi pour investir pour le foyer. Hein? Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que ça, c'est sérieux? Il a posé cette question et puis il a dit, non seulement, il a dit, est-il possible de prendre une dette, une carte de crédit pour demander sa femme au mariage? Non! Il faut se préparer avant. Moi, j'ai fait un mariage. Je suis encore mariée aujourd'hui, là. Je suis encore mariée. Maman, ils ne sont dit, elle s'en va pour débrancher son fer à repasser parce que le message, là. Non, il faut que... J'ai dit, si vous ne partagez pas ce message, là, ça veut dire que vous êtes les amis du diable parce que c'est ça qui va délivrer beaucoup de gens. Bonjour, coach William Jamen. C'est ce message-là qui va délivrer beaucoup de gens. Nous sommes à 2432. On continue. J'ai point montagne, prends 30 minutes, je vais parler et très bien. Alors celui qui ne va pas changer après ça, là, je dis, Seigneur, visite-le, donne des cauchemars aux femmes là qui ne veulent pas changer. Poursuis les hommes là qui ne veulent pas changer. Je dis, si tu entends ma voix, Seigneur, visite les femmes là, Seigneur. Ne leur laisse pas en paix tant qu'elles ne reviennent pas à toi dans leur vie. Quand que les hommes ne veulent pas t'honorer, Seigneur, ne les laisse pas tranquilles. Il faut que les femmes soient honorées, il faut que les hommes soient honorés. Il est temps que Dieu se lève dans les vies. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui n'est pas content, allez, allez, calons l'air. Hein? C'est pas possible. Est-ce qu'on t'a dit de prendre des dettes pour te marier? Non, absolument non. Ce qui fait parfois, il me dit encore, mais seulement l'homme en question n'a pas les moyens, il faut tout pour le mariage du rêve de sa femme, de la femme. Madame, vous pouvez même faire le grand mariage, même après. On se prend, toi, moi, on prend les témoins, on va à la mairie. On va à la mairie, that's what I'm talking about. Moi, je me suis mariée là. Il y avait moi, il y avait le témoin de mon mari, il y avait mon témoin. On est parti à la mairie, on a fait l'état civil. Parce qu'il y a des enfants qui vont naître là. Il faut mettre un cadre. Je vous ai expliqué que s'il n'y a pas de signature, s'il n'y a pas de cadre légal, tu ne peux même pas dire à cet homme-là de t'être fidèle ou d'habiter avec toi. Je vous ai lu ça tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas suivi, allez au début de la vidéo. Hein? Tu vas pousser un homme au nom. C'est ça. Oh non, il faut que pour que le mariage soit pompeux, tout ça. Donc le gars va travailler pendant près de 10-15 ans au lieu de construire une maison. Vous allez vivre là, vous allez continuer de louer. Vous êtes en train de louer une maison et puis tu veux dépenser de l'argent pompeux dans un mariage. C'est pour ça que tu traînes dans la maison là. C'est pour ça qu'il ne t'épouse pas. Tu es voleuse rentrée par la fenêtre. Hein? Ce qui fait parfois qu'un couple peut rester ensemble pendant de longues années sans aller au mariage. Alors, please, conseille nos soeurs de revoir un peu les frais de leur mariage en baisse pour permettre aux hommes de leur faire plaisir. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, les soeurs là? Toujours collé sur ma page, là, vous ne changez pas, banditas.
Est-ce que vous avez compris? Je veux savoir si vous avez compris. Mettez-moi des likes et tout que je sache. Et si vous avez bien compris, la partagez pour aider vos autres copines tocardes là aussi, qui vous donnent des mauvais conseils. Des mauvais conseils. Il dit ceci, ce n'est ni une concurrence, ni un copier-coller. Il a raison. Est-ce qu'il a tort? Non. Oui, vous êtes là temps d'acheter des maisons, pas de bouger. Tu ne sais pas que le sommeil du locataire est, est différent du sommeil du propriétaire. Quand tu as ta propre maison, là, tu dors. Même si tu n'as rien à manger, tu dors tranquille, tes pieds en l'air. Tu sais que personne va venir faire mon loyer. C'est différent. Stupide. Tu veux seulement faire la fête. Tu n'as rien compris dans la vie, rien compris dans ta tête. Dieu te dit, ne le fais pas. Tu es plus intelligente que Dieu. Maintenant, quand ça chauffe, tu dis, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi pas toi? N'importe quoi. Et qu'il faut aussi tenir compte de la capacité financière de son homme pour ne pas vous retrouver sans abri après le mariage. Il a tout à fait raison. Est-ce qu'il a tort? Non, vrai. Il me dit, personnellement, c'est un plaisir pour un homme de demander une femme en mariage, mais aussi un grand plaisir pour l'homme d'entendre sa femme lui dire oui devant les témoins. Mais le problème, c'est que les sœurs, là, n'ont rien dans la tête. Il a raison. Hein? Et voilà une qui m'écrit, elle me dit, maman, depuis que je t'ai écoutée, elle aussi, elle a écrit en anglais. I just wanted to thank you for all what you've done being to my life. I don't know how to say it, but thank you. I'm Mirabelle. Nanana, nanana. Voilà une dame. Quand elle a entendu un de mes messages, elle est partie à la maison. Si vous suivez son témoin, c'est... elle a dit, je suis restée 5 ans avec un homme. Et il m'a enceintée. Il me battait. Et je pensais qu'il allait changer. Excusez-moi. Et je pensais toujours qu'il allait, il ne m'a jamais épousé. Il me promettait toujours de le faire. Écoutez, attendez, je traduis en même temps. And the family kept assuring me. Et sa famille continuait de m'assurer qu'il allait m'épouser. Et ce qui ne s'est jamais passé en 5 ans. J'étais tellement obsédée par le fait que je ne voulais pas avoir d'enfants avec des hommes différents. Donc j'ai continué à supporter, à mettre toute mon énergie dans une relation abusive, pensant que je le faisais pour mon enfant et l'enfant qui était dans le ventre et le petit garçon que nous avions. C'est arrivé même au point où les médecins m'avaient envoyé voir des thérapeutes parce que ils avaient vu des symptômes de dépression en moi et on devait me faire plein de consultations. Wow, je dis, wow, powerful testimony, sister, praise God. Et ça, c'est moi qui lui réponds. Et puis, je lui dis, donc, tu as été voir un thérapeute pour ta dépression. Elle me dit, et je lui dis, lequel de mes messages t'a changé? Elle me dit, grâce à toi, j'ai pu sortir de cette relation. Et toute ma famille, même mes amis, sont encore choqués. Parce que cette décision est finale. Elle dit, toute ma vie, je partais, je venais. Et toute ma famille s'est réjouie. Tout le monde s'est réjoui, même dans le quartier. Parce que ça, tout le monde, ça, ce n'était un secret pour personne que je souffrais. Je n'ai pas été voir un thérapeute parce que c'était toi, mon thérapeute. Et je lui demande, est-ce que tu es sûre d'être contente de vivre, d'être heureuse sans lui? Est-ce que tu n'es pas fâchée contre moi? J'ai dit, est-ce qu'il est au courant que c'est à cause de moi? Elle dit, non, maman, ce n'est pas à cause de toi, c'est grâce à toi. Grâce à toi, j'ai pu me battre. J'ai pu changer de vie. Elle dit, le jour où je t'ai découvert, le même jour, j'ai fermé ses bagages et je l'ai mis hors de la maison parce que c'était ma maison. Et je l'ai viré sans regret. Oui, je suis heureuse, coach Sonia. Oui, coach Sonia, je suis heureuse. Le message qui m'a fait réaliser que Dieu était Dieu, c'est... Elle dit, I've gone through a lot of loving him more than... Je l'ai aimé même plus que ma vie. Je t'ai découvert, coach Sonia, sur YouTube. Quand je te dis d'aller t'abonner, là, tu ne veux pas. Watch Touring the Pet. Elle dit, j'ai tourné la page. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Il n'est pas mon homme. Parce que s'il m'aimait, il m'aurait honoré. J'ai vu toutes vos vidéos sur Facebook, sur YouTube. J'ai tellement appris de vous. Dieu, maintenant, je mets Dieu en premier dans ma vie. Et oh mon Dieu, je suis la plus heureuse. Elle dit, coach Sonia, les gens disent que tu es impoli. Non, moi, j'aime la manière dont tu nous parles. Et la manière dont tu nous emmènes à réaliser les choses. Parce que c'est cette manière de parler-là qu'il nous faut à nous, les femmes. Surtout les femmes africaines, nous sommes trop têtues et stupides quand on tombe amoureuse. Elle dit quoi? I broke up. Bref, ça serait. Elle dit, j'ai rompu avec lui plus de 10 fois, mais je repartais toujours. Malgré qu'il me cassait la bouche, il me tapait, il me faisait du mal. S'il te plaît, maman, ce que toi tu appelles impolitesse, c'est ça qui nous a sauvés. Bref, le message est trop long. Et il y a une qui m'a écrit, elle dit, mais et alors? Et si je commence par le sexe et que je finis par le mariage? Je dis. Hein? Thank you, sister. Yes, I'm not mama. You're right, brother. Hein? Elle me dit, et si on commence par le sexe? Coach Darcy me dit, aux États-Unis, certaines femmes demandent une bague qui coûte 4 fois leur salaire. Le gars qui accepte ce genre de choses, ce sont des babous. Après, tu auras raison à cause d'une bague. Vrai? Ton prisonnier, 4 fois, est-ce que tu es sérieuse? Après, elle venait dire, il ne veut pas m'épouser, pasteur, on va t'imposer le coude, les pieds, même tout. Et puis, on va ajouter même des démons dedans. Banditas. Une vraie femme ne réfléchit pas comme ça. Comment tu peux commencer par le sexe et te dire que tu vas finir par le mariage? Celle-là, elle a commencé par quoi? Jusqu'à elle a fait 2 gosses. 5 ans, il a tourné en bourrique. Oh, je vais t'épouser, oh, je vais t'épouser. Et puis elle est là, hey, comme dit mon coach d'assez, il dort cœur ou bien calme cœur. Il vient, il te fait ça, il te tape. Et puis après, il te dit, je sais pas ce qu'il m'a pris, ma chérie. Quand tu lui dis, je vais t'épouser, il se fâche.
Marie, moi, pourquoi? Et puis tu restes avec une telle personne, hein? Et tu es là en train de traiter tous les pasteurs d'incapables, tous les coachs d'incapables. Tu insultes, tu menaces Dieu parce que toi-même tu as mal semé dans ta vie, hein? On te dit de bâtir ton foyer, de bâtir ta vie avec des fondations strong. Toi, tu choisis de bâtir ta vie avec des fondations de sexe, de fesses que tu tournes là, hein? Oh, le cookies, tout le monde a un cookies, mais comment nous on a fait pour être épousés? Comment? Ma mère m'avait dit, tu ne me feras pas cette honte-là d'aller rentrer dans le foyer d'un homme sans compter épouser. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, toi, tu me racontes quoi? Si j'ai pu fermer mes pieds jusqu'à être mariée, toi, tu ne peux pas fermer, c'est quoi? Je savais ce que je voulais. J'étais prête même à être seule, vivre célibataire toute ma vie, que d'outrager mon Dieu, d'outrager ma famille, d'outrager mon nom. Mes parents ont investi de l'important. J'honore mes parents. Même s'ils sont morts, tu peux encore les honorer. Bandita, ce que tu fais dans la maison de cet homme-là, il ne t'a pas épousé. Tocarde. Oh. Et puis c'est les parents aussi, la faute des parents, les fausses mamans là, vous êtes en train de pousser vos filles, oh non, hein, Bambia qui a trop de galères, toi aussi trouve-toi un mec bien, ah même si t'épouses pas, c'est pas grave, va seulement, sorcière, stop it, de quoi il s'agit, hein, fausse mentalité, vous présentez des dots excessives, vous vendez vos filles comme des vaches. Je parle, j'espère que vous me comprenez très bien, et surtout vous allez devenir des mamans, ne faites pas ça, ça c'est de la sorcellerie. Vous donnez des listes à longueur. Le frère même est découragé. Il préfère aller tomber dans la fornication. Engrosser votre fille, puis on vient vous déposer la femme. Parce que vous faites du n'importe quoi. C'est quoi ces dots à rallonge? On demande 15 vaches, 15 wax, des lampes pétrole, des trucs, des costumes. C'est quoi? Le mariage à Nini, c'est devenu quoi? Oh my God, Seigneur, calme-moi. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. La famille, vous faites quoi? Vous vendez votre fille. Vous ne vous rendez pas compte qu'après le mariage, elle souffre dans le foyer. Les hommes, malgré, on dit toi la chose que j'ai achetée. Oui, parce qu'elle a eu un prix. Vous ne vous rendez pas compte. Elle a eu un prix. Vous l'avez vendue. Il la tape. Elle n'a même pas de valeur parce qu'il a dû s'endetter des années. Sa famille l'a injuré pour qu'il puisse acheter votre fille. Est-ce qu'on peut acheter votre fille? Vous n'avez pas l'honneur. Et c'est pour ça que je bénis Dieu pour ma famille Burkinabé. Quand tu viens épouser, on te demande juste de la cola. Une noix de cola, c'est symbolique. Et on se fait des cadeaux les uns aux autres. Mais pas comme chez moi en Afrique là-bas. Vous exagérez. Vous attirez sur vous la malédiction. Vous détruisez les foyers de vos enfants. Arrêtez ça. On est fatigué. Ça, c'est de la sorcellerie. Et il faut changer. Arrêtez de dire que vous priez, vous priez. Et c'est souvent les pays où on prie le plus quand vous faites de la pagaille comme ça. La Bible dit qu'on a été racheté de la vaine manière héritée de vivre, de nos traditions. Il est temps de changer. C'est pour ça que vous devez devenir des avocats. C'est pour ça que vous devez rentrer au Sénat pour changer les lois et puis suivre ces choses-là. C'est pour ça. On n'a pas besoin de vous là-bas en tant que tout le monde devient coach. On fait quoi avec des coachs? Coach. On a besoin des gens qui changent les choses dans les pays. On a besoin de vous pour nous aider afin que les familles comprennent. Que les familles comprennent qu'il ne faut pas vendre sa fille. Moi, on m'a doté, je crois, ils ont apporté quoi? 3-4 costumes, tout et tout, et puis des marmites. La liste de dots, là, quand c'est passé chez moi, j'ai dit... No way. Mon père s'est levé devant tous ses frères. Il a dit, je ne vends pas ma fille. Quand j'ai élevé ma fille, j'étais seule. Ma fille est intelligente. Elle a fait ceci. Si elle a dit qu'elle aime cet homme, elle ira. La famille s'est levée. Il a dit, je connais Dieu. Oh, bravo pour M. Ongonga. Il a dit, pas question. Cet homme-là, elle l'épousera. Vous, s'il faut moi-même, je vais repayer la dot là. Pas question. Aujourd'hui, quand mon mari parle, il connaît ma valeur. Il me permet de parler parce qu'il sait que moi, on ne m'a pas vendu. Mais toi, tu es comment? On t'a vendu. Irresponsabilité, des mères irresponsables. Vous êtes là, vous pressurisez vos filles là. Allez, vous poussez vos filles, vous mettez la pression à ton âge, je suis encore dans ma maison. Il faut sortir de ma maison, enfin, sorcière. C'est moi, j'ai parlé. Si vous n'êtes pas content, allez caler en l'air. Hein? Tout ça, c'est la faute de vous, les femmes, en point virgule. Hein? Moi, je voulais un homme qui ceci. Moi, là, je cherchais d'abord un homme qui aimait la présence de Dieu. Qui aimait Dieu. C'est ça, c'était mon premier critère. Hein? Une prière, oh non, moi j'ai prié, les filles ont point virgule, moi j'ai prié, mais je peux faire quand même, hein. Gon, point virgule, hein, tu ne sais même pas ce qui est précieux pour ta vie, la vie, on a dit, aide-toi et le ciel t'aidera, donc tu t'aides quoi, en tournant les fesses dans le lit des hommes pour qu'on t'épouse, on t'a dit que c'est comme ça qu'on arrive au mariage, si tu n'es pas content, allez, change de page, j'ai dit, il y a beaucoup de pages, pourquoi tu restes ici, depuis que je parle mal, tu es là, pourquoi? Parce que tu sais, l'Esprit de Dieu te parle, te convainc de justice, de péché et de jugement. Tu sais que ce que je dis, c'est vrai. Même si tu n'aimes pas ma tête ou elle est trop maquillée, on s'en fout de ça. Ce que je dis là, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Vous êtes 2948, vous en avez vu beaucoup comme ça, parce que vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. J'ai dit, quand tu couches avec les filles là, je suis là, ça me donne du plaisir? Non. Je parle parce que je suis en train de me gosier. Tu vas me donner quelque chose? Non. Prends mon cours? Non. Prends le coaching? Non. Programme-les? Non. Va voir coach Darcy? Non. Jamais? Non.
Tu veux quoi? Et tu es là, tu fais quoi? Prieuse, les spécialistes, puis Dieu a dit, et toi, et tous les chemins mènent à Rome. Donc, je vais commencer par les fesses, et puis je vais finir par le moyen. C'est ce qu'on t'a dit, oh. Tous les chemins mènent à Rome. Mais maintenant, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Hein? Moi, je vise le moyen, le mariage. Tous les moyens sont bons. Envoûtement, grossesse pour le bloquer, sorcellerie, manger. Tu fais même manger des règles, sexe à volonté, les strings les plus percutants les uns que les autres. Dieu au ciel, il est assis, il se moque. Parce que les temps vont arriver. Et tu vas te rendre compte que ce tocard-là t'a rendu ma bouillie, la finette, il t'a souri dans toutes les positions. Puis t'as allé à boire, qu'il y a pas poubelle en boulot, il t'a jeté au poids. Il te dit, tu ne m'intéresses pas, il y a meilleur que ça. Parce qu'il va rencontrer une femme qui connaît sa valeur, qui va dire, pas avec moi, nga yo yo. Tu m'épouses, tu me légalises, tu m'honores. C'est ça, il va te plaquer, puis il va partir. J'ai dit de partager la vidéo. Si tu ne veux pas partager aussi, va-t'en. Tout dans les fesses, rien dans la tête. Tu n'as pas honte. Tu n'as rien ici, là. Hein? Tout c'est dans tes strings, là. Tu penses que ça, ça va t'emmener où? Hein? M'en fous du charisme, j'en ai marre. Hein? Tout dans tes fesses, aucune base, aucun principe de vie. Hein? À peine on t'a dragué, tu lâches ton slip, tu quittes l'église. Tu trouves que les messages du pasteur maintenant te dérangent. Hein? Maintenant c'est devenu une fausse église. Oh, coach Sonia, dis quoi? Tu sais pourquoi tu me détestes? En vérité, si on se met toi et moi devant Dieu là, Dieu va sortir là-bas, il va dire que tu détestes Sonia parce qu'elle te crache les vérités. Elle vous dit ce que personne ne peut vous dire. Je vous le dis quand c'était pas quand t'allais fou le camp. Au nom de Jésus, quitte ma page. Va te faire manipuler par les démons, va te faire envoûter. Va loin. Non, mais dis donc, qu'est-ce que c'est? Hein? Oh, fausse prieuse, les go en point virgule. Si tu vois une fausse prieuse, c'est une go en point virgule. On est là, 3029. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui sont en train de partager. Une femme, tu es en portable tout vent. Une fausse prieuse, aucune base sereine, aucune connaissance, aucune crainte de Dieu. Hein? Les femmes escrocs, vous fêtez votre anniversaire 3 fois l'année. Dès que tu crois, c'est mon anniversaire. C'est mon... Tout ça pour escroquer les gars. Toi, tu n'es pas une go qu'on doit honorer, une banditasse comme ça. Tocade, qui va te poser amnésie financière? Hein? Les gants, 3 points de suspension, mentalité mendiante et émotionnelle. Aucune rigueur dans la vie. Aucune rigueur dans tes choix. On est devant tête et cervelée. Va. Hein? Faut être une femme en point final. Huh? Comment? Une femme en point final, c'est-à-dire dès le départ, c'est clair. On s'observe, ok. Mais pendant qu'on s'observe, la Kangi Makulu, un peu. 1 an, 2 ans maximum. 3 ans. Il se décide par les calories. Laisse la chance à d'autres gars. J'ai dit, s'il ne veut pas là, tu présentes ton... Prie, ou commence à regarder autour, laisse d'autres hommes te draguer. C'est moi, j'ai dit. Si celui-là là, ne veut pas, tu es là-bas, il te quoi? Mago, faut te chercher, calons l'air. Qu'on ne te perde plus le temps. Hein? Il ne faut pas laisser, il va te bercer avec les berceuses masculines. Là. Hein? Une femme en point final, on ne la manipule pas. Où? Les berceuses à Salafati, chaille à la souris, confie, on ne la manipule pas. Hein? Elle étudie, elle bosse de ses 10 doigts, tu ne peux pas l'embrouiller pour l'argent. Hein? Je vous ai donné le témoin de cette fille-là maintenant qui touche 2000 euros. Combien de mois? Elle mangeait dans les poubelles. Oh, elle ne parle que de relations. Mais comment est-ce que beaucoup de femmes ont fini par trouver des emplois, ont fini par se prendre en charge? C'est de ça qu'il s'agit. Quand je parle de relations, j'impacte ta vie au-delà. Je change ta manière de penser et tout. C'est tout. C'est pour ça qu'il faut prendre des coachings. C'est pour ça qu'il faut s'inscrire dans le groupe LEI. Parce que là-bas, ça va être grave. Hein? Une fille, en point final, on ne la roule pas dans la farine comme toi. Banditas. Quand elle dit oui, c'est oui. Quand elle dit non, c'est non. Elle sait où elle va. Elle ne réglo pas comme toi. Hein? Oh, oui. Causant la confidence, c'est ça. Hein? Celui qui dit fil, Nathanaël. Les hommes ont accent grave, là. Hein? Oh, viens, on va essayer. On va voir si ça marche. Quoi? Je suis une voiture. C'est comme ça que tu dois répondre. Demande-lui, tu es une voiture. Oh, viens, on va essayer. On va essayer. Je suis ta voiture pour que tu m'essayes. C'est quelle partie technique que tu vas vérifier sur mon corps? Tu vas voir quoi? On va s'étudier quoi? Je suis un diplôme, je suis un dossier en CDD ou en CDI. Contrat indéterminé ou contrat à durée déterminée. Ok, et l'examen final, là, c'est qu'on faut lui demander. Quels sont les indicateurs qui montrent que oui ou non, j'ai réussi ou non à mon test? Tocard. Tu te rends pas compte que c'est ma boule? Comment il peut te dire de venir rentrer là-bas? Et souvent, il te demande même pas toi aussi. Tu t'es levé. Ah, tiens, moi j'ai eu un gars là. Comme les temps sont devenus graves, comme ma famille fait ce petit, je vais aller m'installer chez lui. Peut-être que quand je suis là. On t'a dit que quand tu t'installes chez quelqu'un là, si. T'as une blague avec un homme, hein? Hein? Il va t'étudier comme une vache. Il va te piller toute ta vertu. Et après, il va te tenir les mains dans les poches. Pour te... Il va se mettre là. Il va dire finalement, je t'ai essayé. Je me suis bien amusé. Je me suis bien vidé. Et je trouve. Qu'il y en a une autre dehors qui a plus de valeur que toi et qui sait ce qu'elle veut dans la vie, c'est elle. Comme l'autre message que je vous ai lu tout à l'heure. Maintenant, c'est quoi? Tu vas dire quoi? Il t'a essayé, il t'a essoré, tu es devenu maintenant comme un cabri, tu imagines. Coucou, mais je vais aller où? Mais il faut m'aimer. Tu vas le supplier de t'aimer.
Une fille de Dieu. Oh my God. Un homme qui dit qu'il t'aime, il ne peut pas faire de toi ce qu'il veut comme ça. C'est pas possible. Oh non, je n'ai pas d'argent pour parler mariage. Viens, on va rester d'abord ensemble. Il y a plus urgent pour l'heure, tu vois, non? Mais chaque mois, il envoie 1 000 € à sa famille pour les cotisations mortuaires et tout. Tu vois pas qu'il se fout de ta gueule? Can't you see? Il part en vacances chaque année. Mais il n'a pas l'argent pour t'épouser. Tu vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Je suis ta voiture. Oh, viens, on va essayer, non? Tu es là, c'est bon. On va s'étudier. On va étudier quelle matière? Le lit? La cuisine? Non, dis-moi, c'est ma sauce vinaigrette, on va étudier, hein, quoi. C'est quel diplôme tu veux? Si tu veux pas, faut me libérer, comme dit votre chanteuse José là. Si tu veux pas, faut me libérer. Qu'est-ce qu'il y a? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans. Il y en a qui m'écrivent 10 ans. J'ai dit, mais tu vois, wouh, Dieu est bon, il m'a donné 2 personnes qui s'occupent de mes messages. Quand vous écrivez, je ne lis pas. Parce que vous allez me donner des heart attacks. What's the problem, girl? Non. Hein? Tu as une voiture ou bien... Ah, bon, je t'ai essayé pendant 5 ans, je trouve que ça ne va pas. Donc, il va aller te remettre au magasin. Quel magasin? Et il va te remettre toute la valeur qu'il a pu sur toi. Non, il ne peut pas remettre. Tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne sais pas ce que c'est. C'est à toi de savoir ce que tu veux et où tu veux aller dans une vie. Tu n'as qu'une vie. Et arrête d'être une banditas. Mon frère, arrête d'être une banditos. Hein? Tu te fais conjuguer au maboulisme dans tous les temps. Il est temps de devenir sérieux. Prenez vos responsabilités, man. Je t'ai dit quoi? Que dit la loi? Que dit la loi? La loi, le mariage, c'est ça qui te donne le droit d'exiger la fidélité d'un homme. Tant qu'il t'a pas mis la bague là, tu ne peux pas ouvrir ta bève là, ta bouche là, ta mâchoire, tes mandibules pour lui dire, hé, toi, viens, reste. Il te doit rien du tout. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'accord. La loi ne t'autorise pas. Are you hearing me? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Tu dois savoir ce que tu veux. Et tu dois savoir où tu vas. Moi, j'ai dit... Hein, et puis d'abord, je n'ai même pas eu le temps à dire. Le gars, quand il est venu, il a pointé d'abord mariage. J'ai dit, ah, ok. 6 mois de fiançailles, ah, j'ai vu que bon, tout et tout. Au bout de 6 mois, ok, tu peux écrire à mes parents. Mais c'est sans des garçons. Est-ce qu'il touchait des millions? Je vous ai dit comment je gagnais plus. Mon salaire faisait 2 fois le salaire de cet homme-là. D'accord? Mais je savais que j'allais quelque part parce que j'ai vu le potentiel dans cette... Il ne m'a pas dit non, tu sais, pour t'épouser d'abord, il faut d'abord que je finisse de construire dans mon pays. Hein? Ok, et si pendant que vous êtes en train de construire, il y a une guerre qui éclate, on le construit, puis donc on fait quoi? Hmm? Non, ma soeur. Je vous ai parlé même en tête, même la loi, le code civil. On vous dit que le mariage, c'est une union. C'est encadré. Et quand vous signez le papier là, c'est pas que c'est grand chose, mais ça te protège toi et tes enfants. Tu connais les réalités. Par exemple, en Afrique, dès qu'il y a pas là, qu'est-ce qu'on fait? On prend la fille de toi, on te dit, toi, tu as mangé pendant que notre frère était en vie. Maintenant, c'est notre temps de manger. Puis on te jette dehors, toi et les enfants souffrent. Mais s'il y avait le mikanda, le papier qui était signé, au moins tes enfants étaient protégés. Arrête de te comporter en tocarde. Arrête ça. S'il ne veut pas t'honorer, il n'a qu'à te libérer, ma chérie. Non, droit et devoir, je te relis ça. Le mariage est avant tout l'union de 2 êtres qui s'aiment, d'accord. Hein? Mais c'est l'ensemble des droits et des devoirs que se doivent chacun des époux l'un envers l'autre. Droit de fidélité, secours et assistance. Si tu n'as pas signé le papier, il n'est pas obligé de te secourir parce que vous couchez ensemble. Si vous n'êtes pas marié, il n'est pas obligé de te porter assistance quand ça ne va pas. Il ne te doit aucune fidélité, c'est moi j'ai dit. Donc arrêtez de dire non, il m'a trompé, il t'a trompé. Tu ne peux me dire ça que si tu as été légalisé à la mairie. Est-ce que tu as compris? J'espère que vous avez bien. Et ne m'écrivez plus vos bêtises là. Hein? Oh non, il m'a trompé, il m'a fait ceci. Si c'est juste dans vos bêtises des coins de quartier où on t'a pressé, on t'a fait fou. J'ai dit, il faut te méfier de moi. Hein? Tu as compris non? Maintenant, voilà, il y a aussi des couples qui ont commencé par le sexe, qui ont fini par se marier. Tout dépend de la vision du groupe. Regardez-moi ça. C'est de ça que j'ai parlé. Mais qu'est-ce que tu fais sur ma page? Si c'est telle est ta vision, va ailleurs. Ici, là, c'est pour ceux qui ont envie de changer de vie. Monsieur, je ne sais pas qui, là. Va ailleurs. C'est pour ça que vous êtes là où vous êtes, là. Vous commencez par les fesses. Et vous pensez que Dieu est dans les fesses pour arriver ailleurs. Donc, Dieu est un menteur, quoi. Ce que Dieu a dit, là, c'est n'importe quoi. Tu es plus intelligent que Dieu. J'aimerais voir d'ici la fin de l'année, parce que tu as osé parler comme tu as parlé, monsieur, je ne sais pas qui, là. Je vais voir ta situation au 31 décembre 2007. Si mon Dieu est Dieu, parce que tu as voulu inverser. Dire que mon Dieu a menti là. Que mon Dieu te fasse honte. J'ai fini de parler. I love you guys. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. God bless you.